Bonsoir, Monsieur Benoît. Oui, bonsoir, Monsieur Koch. Ça va? Oui, ça va très bien. Ok. Oui. Et donc, vous êtes passé nous saluer. Oh, oui. Vous avez fait la formation en ligne. Oh, oui. Et donc, comme vous savez que nous sommes à Ouagadougou, oh, oui. Donc vous êtes passé nous saluer. Voilà. Voilà. Donc, vous avez assisté à quelques minutes. Voilà. Voilà, de la formation. Oh, oui. Donc, qu'est-ce que vous en pensez par rapport d'avoir à croiser le coach physiquement? Et aussi, ce que vous avez fait en ligne, ouais. Depuis les quelques minutes là, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, premièrement, je vais remercier le noyau qui est là et le coach qui est là. Oui, oui. C'est lui qui m'a permis de rentrer. D'accord. Donc, j'ai tellement d'habitude de vous voir face à face. D'accord. Je vois dans YouTube. Mm-hmm. Donc maintenant, je suis venu pour voir face à face. D'accord. De manière de vous voir face à face même là, mm-hmm. J'ai tellement content. D'accord. Voilà. Donc, je suis content, je suis venu faire quelques minutes. Mm-hmm. Quelques minutes, ce que j'ai reçu même là, ah, c'est de l'or. Ah bon? C'est de l'or. Voilà, c'est de l'or. Okay. J'ai vu des explications, des exemples. Oui. Ça m'encourage. En tout cas, je suis tellement content. D'accord. Je suis tellement content. Des quelques minutes seulement, je suis content. D'accord. Ah. Donc, nous espérons que la prochaine formation physique, mm-hmm. Alors tu feras l'effort d'être là. Ah, je serai le premier point. D'accord. Voilà, je serai le premier point. Voilà, mais moi, je conseille les gens à faire la formation, plutôt la sécurisation. D'accord. C'est ça que moi, je mets l'action. Tu peux prendre 10 millimètres, sans la sécurisation, tu vas partir. C'est clair, c'est clair. Moi-même, j'étais victime de ça. Ah, d'accord. Voilà, j'étais victime de ça et ils ont vidé mes 7 millions de Shiva. Ah bon? Donc, ça m'a fait en arrière. Donc, en tout cas, je mets l'action sur ça. D'accord. Voilà. Donc, vous avez entendu ce que M. Benoît vient de dire. Alors, la sécurité, pour lui, c'est la chose la plus importante. Dans tout ce que vous devez faire, parce que sécuriser ses acquis, alors c'est prévoir aussi d'aller très loin dans la crypto-monnaie. Oh. Donc vraiment merci M. Benoît. Ah, de rien. Et à la prochaine. Je vous en prie. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir M. Savadogo. Bonsoir M. Koch. D'accord. Et donc nous venons de finir les 2 jours de formation. Oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions par rapport à ces 2 jours de séminaire? Oui. En tout cas, mes impressions sont très bonnes. D'accord. Voilà, pour dire déjà que moi j'ai commencé à suivre déjà les vidéos. D'accord. Et c'est à travers ça, déjà que j'ai su qu'il y aura la formation. Oui. Voilà, déjà ce qu'on a reçu là-bas, c'est très bien. Oui. Et venir en physique, c'est venir concrétiser. Oui. Donc, apprendre davantage. D'accord. Voilà, parce que ce qu'on a eu, c'est très important. D'accord. Voilà, c'est ça qui va nous permettre de rentrer dans le prochain boulon. Oui. Voilà, avec beaucoup de confiance. Merci beaucoup. Voilà. Dites-moi, mais est-ce que de façon particulière, il y a un module qui vous a plu? Oui. D'abord, la sécurisation. D'accord. Voilà, parce que quelque chose, ce que vous gagnez, oui. si vous ne mettez pas en sécurité, ça veut dire que vous la personne n'a rien compris d'abord. Ah. La sécurisation est importante, oui. Parce que autant que nous sommes déjà, mm-hmm. C'est des investisseurs en crypto-monnaie, oui. Chacun a déjà investi d'une certaine manière, oui. Donc sécuriser davantage, parce qu'il y a eu la sécurisation niveau 1, mm-hmm. que beaucoup de gens connaissaient, mm-hmm. voilà. À travers ces 2 jours de formation, il y a eu la sécurisation niveau 2, oui. Voilà. Ce qui, en tout cas, nous permet de mettre en sécurité ce qu'on avait déjà, mmh. et ce qu'on va avoir. Okay. Et autre chose, c'est qu'on a appris en profondeur le staking, oui. et le farming. Oui. Voilà. Et bon, pour certains, pour personnellement, même l'achat et vente, en tout cas, mmh. ça m'a permis de connaître davantage. Alors toi, tu ne savais pas acheter ni vendre aussi, au départ. Il faut dire que j'avais appris avec un ami. Oui. Voilà, mais les 2 jours m'ont permis de poser davantage de questions pour mieux comprendre. D'accord. Et je pense que l'autonomisation a été renforcée. Dieu merci. Voilà. Nous sommes vraiment heureux de savoir qu'à partir de maintenant, toi-même, tu vas prendre ton argent pour aller payer tes crypto-monnaies sans passer par quelqu'un. Tout à fait. Vraiment, félicitations à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Aussi. Et on ne peut pas finir de vous dire merci. Oui. Parce qu'au-delà même de la formation en crypto-monnaie, on a eu en tout cas une immersion, oui. voilà, dans, des,
ce qu'on peut appeler le développement personnel. Oui. Voilà, ce qui a même suscité une demande. Oui. Voilà, des participants. Oui. Voilà, pour avoir plus de connaissances là-dessus. D'accord. Voilà, je pense que l'un dans l'autre, oui. Nous sommes confiants. Oui. Voilà, quant à l'avenir. Ok, vraiment, merci à vous. Merci aussi pour l'accueil. Voilà, nous, c'est ma troisième fois de venir au Burkina. Et donc, l'accueil a été toujours chaleureux. Et donc, je vous remercie. Et nous comptons sur vous pour la prochaine édition. On pense que ce noyau aussi va continuer d'être présent à nos différentes formations. Donc, merci à vous. Et certainement à la prochaine édition. Merci. Et à la prochaine édition. Merci beaucoup, M. Savadogo. Bonsoir, M. Djibril. Oui, bonsoir, Kos. Alors, nous venons de finir ces deux jours de séminaire. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner vos différentes impressions par rapport à ces deux jours de séminaire? Oui, avant tout, je tiens à vous remercier oui. pour l'initiative mm-hmm. que vous avez prise de vous déplacer depuis la Côte d'Ivoire pour venir sur le Burkina. D'accord. Et partager avec nous vos expériences. Oui. Sinon, quant à la formation, vraiment, personnellement, je puis me permettre de dire que mes attentes sont atteintes. Merci beaucoup. Vraiment, à l'issue de ces deux jours, d'accord. je sors aguerri. Okay. Mais comme vous-même, vous l'avez si bien dit au cours de la formation, on mm-hmm. ne finit jamais d'apprendre. C'est ça. Sinon, d'or et déjà, mm-hmm. je me sens déjà outillé mm-hmm. pour affronter le monde de la crypto-monnaie. D'accord. Ok. Maintenant, dans les différents modules, est-ce qu'il y a un module en particulier qui vous a plu? Bon. Pour être honnête, il n'y a pas de module qui n'a pas été bon pour moi. Parce que mm-hmm. tous les modules que vous avez abordés vraiment mm-hmm. ont été les bienvenus sur moi. Puisque je suis novice, pour être honnête. D'accord. C'est ma première fois de suivre une formation en crypto-monnaie. Mm-hmm. Et c'est vrai, j'ai entendu parler de la crypto-monnaie depuis 2021 mm-hmm. et nous sommes en 2023. Mm-hmm. Mais je n'avais jamais fait le pas pour aller vers la formation. Mm, d'accord. Mais bon, vous avez parlé de la sécurisation mm-hmm. des avoirs. Mm-hmm. Et j'ai compris que sans la sécurisation, mm-hmm. tu peux financer, investir mm-hmm. et quelqu'un va quitter de nulle part venir t'enlever ça. Comme ils ont fait à M. Benoît là. Voilà, te laisser dans la merde. Oui, oui. Donc vraiment, avec, ce module de sécurisation, oui. vraiment j'ai compris beaucoup de choses. Mm-hmm. Voilà, que ça ne sert à rien d'avoir les crypto-monnaies si tu ne sais pas les mettre en sécurité. C'est ça. Voilà. En plus de cela, oui. bon, j'ai tout simplement dit, je suis un salarié, je suis fonctionnaire. D'accord. Et je ne savais pas que dans la crypto-monnaie aussi, oui. on pouvait créer un revenu passif, comme uh-huh. vous l'avez bien dit. Oui, oui. Voilà, au lieu de laisser l'argent dormir en banque, oui. vous avez fait découvrir qu'on peut acheter des crypto-monnaies, oui. stiquer uh-huh. ou faire du farming uh-huh. qui va générer encore des revenus uh-huh. et que nous allons vraiment jouir. Et de déposer notre argent dans les banques, mettre mmh. dans les mains des individus qui vont gérer pour nous. D'accord. Vraiment, moi, ça, je suis vraiment content. Je suis ravi d'avoir appris ça. Okay. Et en outre, oui. il y a aussi, vous avez abordé le développement personnel. Oui. Le développement personnel, il y a eu des conseils oui. extra-formation de moyens. Mmh. Mm-hmm. Le développement personnel, vraiment, c'est un processus aussi. Oui. Le point que vous avez abordé, mm-hmm. ça en tout cas renforce mm-hmm. mes capacités, mes compétences, la manière dont je dois me comporter oui. voilà, devant l'argent, comment en tout cas, et ce que je dois faire avec l'argent. Parce mm-hmm. que selon vos dires, il ne suffit pas de l'avoir seulement, ah, mais de savoir aussi gérer ça. Mm-hmm. Où est-ce que tu vas mettre ça? Pour mmh. ne pas se retrouver encore perdant dans la précarité après voilà, l'avoir eu. C'est ça. Vraiment. En tout. Sur ce, je vous remercie bien. Franchement, du fond du cœur, je suis ravi. Et je souhaite qu'il y ait une seconde formation. Bon, ça sera la seconde formation pour moi. Oui. Et ce n'est pas votre première fois au Burkina. Mmh. Moi, s'il y a une autre formation, ça sera ma deuxième. D'accord. Et s'il plaît pour Dieu Tout-Puissant, mmh. je ferai l'effort d'y être. D'accord. Vraiment, merci à vous, M. Djibril. Et nous espérons que, voilà, comme vous venez de le dire, on vous prend au mot, que vous serez déjà le premier inscrit pour la prochaine édition. Voilà. Et on vous promet aussi, par rapport à votre demande spécifique, par rapport au développement personnel aussi, ouais. à
Alors, on vous promet que, voilà, nous allons y penser pour que chacun puisse vraiment capitaliser, voilà, non seulement les acquis techniques par rapport à la formation des crypto-monnaies, mais aussi les acquis aussi sur le plan aussi, on va dire, spirituel et du développement personnel, afin que chacun puisse aussi capitaliser et pérenniser, voilà, ces acquis sur le long terme. Merci à vous et à la prochaine édition. Merci bien. Okay. Monsieur Sommet, bonsoir. Bonsoir, coach. Et donc, nous venons de finir les deux jours de formation. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner vos différentes impressions concernant ces deux jours d'échange d'expérience? Les deux jours de séminaire, oui. Je ne peux qu'être satisfait. Oui. Alors, tout a commencé sur YouTube, on a commencé aussi sur YouTube. D'accord. Et à chaque fois, j'attends formation à main, formation à l'île. Quand est-ce que vous allez au Burkina ici? Dans les jours, il y a eu formation au Burkina, j'ai même pas cherché à appeler les leaders qui sont ici. Oui. Je vous ai appelé directement. Directement, oui, oui. J'étais occupé, après vous m'avez fait signe. Oui, oui. Et vous m'avez donné le numéro de leader Alassane. Alassane, oui. Je l'ai appelé et puis voilà. Mm-hmm. On est venu, on est vraiment satisfait. D'accord. J'ai découvert beaucoup de choses. Je ne savais pas de quoi parler staking, farming. Je connaissais rien là-dessus. Mm-hmm. Et grâce à cette formation, voilà, j'ai découvert beaucoup de choses. D'accord. Vraiment, merci déjà pour votre déplacement. Alors, par rapport au staking, alors vous avez appris aussi la sécurisation. Qu'est-ce que vous avez trouvé par rapport à la sécurisation? Est-ce que au départ vous arriviez à sécuriser vos acquis ou bien voilà comment vous faisiez au départ avant peut-être cette formation? Je peux dire que l'essentiel même de cette formation c'est la sécurisation, la sécurisation parce qu'avant nous c'était juste swapper et puis c'est tout. On garde, on ne sait pas ce qui se passe. Alors, donc on pouvait se retrouver au boulot rond avec un portefeuille qui n'est pas à ta disposition. Donc c'est quelqu'un qui allait contrôler ça, mais avec ce que vous nous avez appris, voilà, nous on peut sécuriser nos wallets nous-mêmes et puis voilà, ça nous fait plaisir. Okay. Et merci, c'est à vous, parce que c'est vous vous êtes déplacé avec votre connaissance, vous venez partager avec nous, voilà, on est satisfait et on vous remercie, on souhaite une prochaine formation et on sera là. D'accord. Merci à vous et à la prochaine édition. À la prochaine édition. Merci bien. Monsieur Hervé, nous venons de finir les deux jours de formation. Alors, donnez-nous vos impressions par rapport à ces deux jours d'échange d'expérience. Donc, c'est avec joie que j'ai eu à assister et à participer en même temps à cette formation que j'attendais depuis 2021. Depuis 2021. Oui, oui, effectivement, la dernière formation date de 2021. Oui. Je devais assister, mais je n'ai pas pu. Oui. Parce que j'étais en déplacement hors de Ouagadougou. Et donc, vraiment, j'ai guetté votre venue sur Ouagadougou. Oui. Et par le coup de chance, on m'en a fait part de M. Dieudonné. Oui. Et donc, j'ai demandé à vraiment être là. J'ai même arrêté mon programme sur Bobo pour être là. Ah, vraiment, merci hier beaucoup. Et puis aujourd'hui, que vraiment, parce que la formation que je viens de recevoir est tellement primordiale pour moi. J'avais pris la décision vraiment de faire carrière sur les crypto-monnaies pour ne pas être à la marge de l'évolution monétaire. On a commencé par le papier, on est venu par l'électronique, maintenant on est au niveau de la crypto-monnaie. Celui qui refuse de suivre l'évolution du monde sera toujours en laisse. Donc, c'est par rapport à ce qui est venu. J'ai bien appris beaucoup de choses. Et je sais que ça va beaucoup me servir. Et moi aussi, je pourrais lier cette formation à des gens qui veulent s'intéresser à la crypto-monnaie. D'accord. Mais est-ce que, de façon particulière, un module vous a plu? Oui, le module qui nous a plus attiré, c'est que je ne suis pas le seul. C'est surtout la sécurisation d'abord. D'accord. Parce que je pense que la sécurité, c'est comme si tu construis ta maison. Si tu ne mets pas les tôles et puis tu as une bonne porte bien fermée, même si tu as mis des objets de valeur à l'intérieur, les voleurs vont dérober. Donc je pense que la première chose qui nous a plus attiré ici, c'était d'abord la sécurisation. On a bien suivi le cours. Et deuxième chose, c'est le staking et le holding.
le Stavning, je pense. Ce sont les trois mots qui m'ont beaucoup attiré également. Et les sites sur lesquels on pouvait swapper. Je pense que ça aussi, ça a été une très bonne chose pour moi. Et après ça, c'est les pièces sur lesquelles on va travailler. Et vraiment, ça, ça a été vraiment très primordial parce qu'il suffit d'acheter pour l'acheter. Vous avez montré qu'il y a près de 10 000 pièces. Donc, c'est 10 000 pour avoir ce qui est bien. Il faut avoir quelqu'un qui a vraiment fait beaucoup de recherches pour vous donner ça. La personne veut vous éviter les pertes. Clair. Je pense que c'est vraiment la chose la plus grande que vous nous avez partagée. Et ce qu'on a payé pour suivre la conférence, je peux dire même que c'est une goutte d'eau dans la mer par rapport à la connaissance que nous avons reçue. C'est ça. Vraiment, merci à vous, M. Hervé. Par rapport aussi au déplacement, vous êtes quitté à Bobo pour venir à Ouagadougou. Voilà, donc déjà aussi, on vous remercie pour ce déplacement. Et nous espérons vous voir aussi à la prochaine édition. C'est sûr, j'y serai. Ok, merci beaucoup. Merci bien. À la prochaine. Et bon retour. Merci bien. Merci beaucoup. Monsieur Zoré Oumar, alors on vient de finir 2 jours de formation intense. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé ces 2 jours de formation, de séminaire? Les 2 jours de formation, je crois que, je dirais, elle est vraiment très, très géniale. Oui. Parce qu'il y avait des choses que nous-mêmes, on faisait des erreurs au quotidien, sans savoir l'impact que ça peut nous amener. D'accord. Grâce à ces 2 jours de formation, vraiment, on sort gagnant. D'accord. Alors, donc, vraiment, on vous remercie encore très, 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 très efficacement. Merci beaucoup. Maintenant, parmi les différents modules, est-ce qu'il y a un module en particulier qui vous a plu? Oui, pas seulement, hein. Parce que, disons, j'ai vraiment apprécié le côté farming. Voilà, parce que quand on voit certains sites d'investissement qui viennent nous larguer un temps un peu, et puis ils répartent en plus avec nos gains. D'accord. Vraiment, j'ai vraiment apprécié ce domaine-là. D'accord. Et en plus, les staking qui vient encore nous renforcer la capacité de nos pièces que nous l'achetons. Et vraiment, ce qui est encore vraiment primordial, je dirais que c'est la sécurisation du niveau 2 que vous nous avez vraiment transmettre. Donc vraiment, on ne peut que s'en réjouir. Vraiment, c'était vraiment très essentiel. Pour ceux qui n'ont pas pu participer, vraiment, on lance un appel. Et vraiment, de faire très, très des efforts de pouvoir participer à la prochaine, car c'est vraiment très, très important. Et encore, à la dernière minute, où je dirais seconde, le côté de développement personnel, vraiment, en tout cas, dans notre jargon, on faisait vraiment des erreurs. Bon, comment se comporter, tout ça. Bon, vraiment, c'est vraiment, il faut que vous complétez ça encore pour nous vraiment sauver, hein, pour nous sauver à l'avenir. Car bon, quand on va capitaliser tout ce qu'on va acquis, comment la gérer, c'est comment ça. Fructifier ça encore plus davantage. Vraiment, merci beaucoup pour cela. D'accord. Merci à vous. Merci aussi pour le déplacement. Voilà, donc on vous promet aussi de faire tous les modules qu'il faut aussi pour aussi le développement aussi personnel. Voilà, parce que même fois, on nous demande cela maintenant. Donc, il faut vraiment aider aussi par rapport aussi à cela, parce qu'il ne s'agit pas simplement de payer, d'avoir de l'argent, mais si on ne sait pas comment gérer comment tout gérer, ça après, vraiment. Alors, on va convenir, dire qu'on va attendre 2030. Le prochain bull market, vraiment. Voilà. Ça sera dommage pour nous. Ah, attends, si les black rentrent encore, tout va devenir compliqué encore. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci, merci vraiment, aussi. On vous souhaite vraiment de bonnes retouches. Merci bien. Vraiment, nous pouvons garder notre contact et vraiment en joie. Voilà, merci beaucoup. Merci, M. Oumar, et à la prochaine édition. Ciao. Monsieur Zouzi, donc on vient de finir les 2 jours de formation. Alors, donnez-nous vos différentes impressions par rapport à ce que vous avez appris
Merci vraiment, coach, pour votre engagement. Vraiment de venir nous donner de la connaissance vraiment que beaucoup de personnes y ont. Vraiment, ces deux jours de formation ont été vraiment intéressants. Ça nous a permis de voir vraiment du fond en comble des informations qu'on négligeait à travers le monde de la crypto-monnaie. Donc, on vous félicite et on vous demande vraiment que Dieu vous donne longue vie, vous allez toujours apporter de la valeur dans l'écosystème crypto. J'apprécie vraiment la formation, ça a été parfait, Puis j'encourage les jeunes frères africains, surtout les Excuse-moi, tu es étudiant? Oui, exactement, je suis étudiant. Faut parler à tes frères étudiants. Exactement, mes frères étudiants, vous devez savoir qu'en tant qu'investisseur dans la crypto-monnaie, j'ai que quelques années d'expérience, puis les informatiques du coach que je suivais plus d'une année. Je pense que ça m'a permis vraiment de maximiser et puis de gagner plus en effort, plus d'argent. La crypto-monnaie, c'est réel, mais il faut avoir les vraies infos. Les vraies infos, on va avoir où? C'est dans les formations. Vous allez voir qu'actuellement, je vous conseille vraiment les formations de M. Loss. Actuellement, c'est le coach, vraiment, il donne des informations capitaux que vous ne devez pas négliger. Avec des informations pour vous faire vraiment maximum, avoir la stabilité financière. Croyez vraiment à la crypto. Voilà. La plupart des gens vont dire que c'est des mythes. Non, mais c'est réel vraiment. Les deux jours de formation, les informations qu'on a acquises, on va les mettre en pratique. Inch'Allah, je suis sûr que d'ici le bull market 2024, on va essayer de donner les preuves. Et puis, vous allez être fiers de nous. Et puis, en tant que leader, on va essayer de toujours prier Dieu d'avancer ensemble. Comme vous avez dit, il y a des projets communs qu'on va tous travailler. Je remercie vraiment pour votre engagement. Merci vraiment pour les deux jours de formation. Ça a été vraiment génial. Merci. Merci. Maintenant, dites-moi, j'ai eu l'impression que voilà, vous avez eu des prérequis déjà, mais qu'est-ce que vous avez appris de façon très particulière à cette formation? C'est-à-dire, quels sont les modules que voilà, vous avez appréciés? Tous les modules, je peux dire que vraiment, c'est comment analyser la crypto, en fait, de savoir que la base, c'est ça. Nous avons donné des preuves, nous avons donné des acquis, comment faire pour vraiment associer ta vision. C'est pas investir le problème, mais savoir d'abord ce que tu veux faire avec ça. C'est parce que beaucoup de personnes ont eu de l'argent, même particulièrement on a eu de l'argent, mais le problème, il faut avoir d'abord une vision. Si l'argent vient vite, tu n'as rien à faire avec ça, tu peux repartir. Donc j'ai apprécié vraiment la partie. Puis ce que j'ai apprécié aussi, c'est vraiment nous donner de bonnes cryptos. Voilà, et puis nous expliquer de A à Z pourquoi vous nous l'avez donné. Voilà, donc là-bas vraiment ça m'a plu. Merci vraiment. Ok, on a, merci à toi. Merci. Et à la prochaine édition. Merci vraiment. Ok. Monsieur Tabiré, nous venons de finir deux jours de formation intense. Alors, vous pouvez nous donner vos différentes impressions par rapport à ce que vous avez appris? Ok, d'ores et déjà, je vais profiter de la vidéo pour remercier d'abord monsieur aussi, monsieur Quintera, coach Quintera, qui m'a permis d'être un des organisateurs de cet événement. D'accord. Je dirais que ce fut vraiment un cadeau parce que j'ai beaucoup appris de la formation. Je dirais que cette formation a été un nettoyage, de quelque sorte. Dire que nous avons emmagasiné pas mal d'informations, je dirais, en culture, mais qui étaient des informations obsolètes. Et aujourd'hui, ces deux jours nous ont permis de faire un nettoyage afin d'installer de nouveaux logiciels de la crypto et s'y préparer vraiment de façon sérieuse pour le bull run prochain. D'accord. Donc, je dirais que ces deux jours de formation ont été tellement, je dirais, il n'y a pas de mot pour qualifier, ça a été tellement wow parce que. J'aime dire aux gens qu'en crypto, si tu es prêt à investir 200 000, parce que les gens sont tout de suite prêts à vadrouiller les réseaux sociaux pour chercher des cryptos pour investir. Et souvent, ils dénient des forces crypto et ils sont prêts à investir 100 000, 200 000. Et ces mêmes personnes ne sont pas prêtes à investir 100 000 ou 200 000 pour se former. Donc, du coup, je veux dire que si tu es prêt à investir 200 000 dans un projet crypto, il faut aussi être prêt à investir 250 ou sinon même 300 000 pour apprendre ce projet. Et c'est la formation d'abord. On peut les faire quand elle n'existe pas. Il faut d'abord se former, comprendre la chose afin de pouvoir fabriquer l'argent toi-même. Parce que la crypto,
c'est, tu deviens le propriétaire, ton propre banquier en quelque sorte. C'est ça. Il y a des formations aussi assez techniques là-dessus. Oui. Nous avons montré vraiment la route à suivre, comment est-ce que nous pouvons multiplier désormais notre propre argent, au lieu d'aller confier ça à des tiers. Je pense que vos stratégies vont nous permettre, pour, à partir d'aujourd'hui, de pouvoir fructifier notre argent nous-mêmes et de pouvoir aussi, puisque l'argent aussi de l'énergie, voilà, comment est-ce que nous pouvons attirer cet argent-là à travers vos quelques séquences sur le développement personnel. Voilà. Donc, vraiment, je pense que vous avez pratiquement tout dit. Voilà. Donc, est-ce que vous avez un appel à lancer par rapport aux autres qui n'ont pas pu participer à cette formation? Bon, mon appel, c'est, comme je le disais tantôt, en crypto, il faut, c'est un crime de vouloir s'y aventurer sans se former. Voilà. Non seulement vous allez perdre votre argent, vous allez heurter certaines réalités désagréables. Autant vous former. Donc, quand vous apprenez qu'il y a des formations de ces gens de tel calibre, là, en tout cas, je dirais même, si je n'exagère pas, souvent c'est mieux de vendre certains de vos jetons pour vous former. D'accord. Et après la formation, vous serez à mesure de gagner plus. Voilà, donc, pour ceux qui désirent faire aventure dans le monde, dans l'univers cryptographique, donc, n'hésitez pas à vous former. Et surtout, la formation de Coach Loss, il n'y a rien à dire. C'est vrai qu'il y a formateur et il y a formateur. Déjà, quelqu'un qui arrive à faire des résultats via les réseaux sociaux, je pense qu'une minute d'échange physique avec cette personne, ça doit vouloir tout dire. Et donc, gagner ce genre d'occasion, ce n'est même pas à hésiter. C'est tout de suite se précipiter pour venir. Ceux qui sont là ne peuvent pas dire le contraire. Vous êtes vraiment un gars à suivre de près ou de loin, parce que vous donnez tellement d'informations assez substantielles, assez capital dans le monde de la crypto. Donc, mon appel, c'est de vraiment aimer ce genre de formation et aussi de s'abonner à vos différentes chaînes pour pouvoir vraiment. Les informations aussi que vous donnez là-bas sont des informations assez importantes. Et s'ils apprennent que vous venez au Burkina ou dans n'importe quel pays d'Afrique, ils pensent que vous êtes. Vous êtes devenu maintenant africain, vous n'êtes plus ivoirien. D'accord. Vous allez vous écouter et puis on va pouvoir fabriquer l'argent des autres. C'est ça. Là, j'entends ce terme, là, fabriquer là. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, on va garder ce thème là. Là, le Burkina crée toujours quelque chose. Quand je suis venu en 2021, c'est qu'on crée le thème que voilà, quand tu viens après la formation du groupe, il y a consultation. Cette fois-ci, il y a une création de l'argent. Ça, j'adore ça. À la prochaine édition, mon frère. Merci beaucoup.